Eh bien salut tout le monde, c'est Flo de la chaîne Café Gaming, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale, j'ai commandé un quelques petits trucs sympa sur le site Sega Shop. Donc j'en remercie le poteau Google X24 qui m'a dit qu'apparemment il y avait des putains de promos chez Sega Shop. Et je me suis dit tiens vas-y pourquoi pas, vas-y on va craquer comme en ce moment, voilà, bon, je crois qu'il y avait parlé de ça peut-être le 15 juin, j'avais 23 ans quoi, le 15 juin j'avais 23 ans. Donc voilà, donc bref, on va commencer déjà cet unboxing. Donc j'ai dû ouvrir le carton, donc voilà, je n'ai pas su ce qu'il y a dedans, alors on va ouvrir ce qu'il y a dedans. Donc c'est des vêtements, hein, Sega Shop, ce n'est pas des consoles, j'ai rien du tout, c'est juste des consoles, c'est juste des produits dérivés Sega. Donc on va commencer, on est bien à la caméra parce que oui, je suis sur le côté, je suis pas sur le côté, petit à petit. On va commencer, alors bah tiens, on va parler de chez nous, voilà, la casquette Sega Shop, hein, bien sûr, donc, et par minuscule, voilà, bien sûr. La casquette, bien sûr, de Shenmue, voilà. Donc, franchement, ouais, magnifique. Je vais mettre le talon. On a là un espèce de suite, en capuche. Dreamcast, vous voyez bien. Voilà, Dreamcast. Alors là, ça c'était juste pour un petit cadeau pour mon père. Voilà, c'est sa première console de jeu. Hein. Donc, là, Master System, si je veux bien la focus, voilà, c'est moi qui dois appuyer là-dessus. La Master System en porte-clés, voilà. Là, je suis comme d'habitude, hein, style. Alors celui-là aussi, j'ai dit, vas-y, faut que je le prenne. C'est vrai que, voilà. Street of Rage, voilà. Qui sont en fait les ensembles d'aimants, voilà. Donc les aimants pour mettre dans tout ce qui est dans le frigo. Voilà. Et là, nous avons la dernière. Et celle-là, j'ai craqué parce que j'ai dit, vas-y, je la prends. J'ai même hésité à le dire à Gogo. J'ai dit, vas-y, est-ce que je la prends ou est-ce que je la prends pas. Celle-là, c'est la plus magnifique des lots que j'ai pris, voilà. Franchement, c'est la plus magnifique. La Switch capuche Mega Drive, je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de faire un petit focus dans l'étiquette, voilà. Avec le, on voit dans le moment, dans le bas, il y a la manette de la Mega Drive. Franchement, celle-là, voilà, même derrière, voilà, on la voit tout. Voilà. Franchement magnifique. Franchement, la Dreamcast elle est bien aussi. Franchement, la Dreamcast elle est géniale avec le Dreamcast bien sûr. Sur le côté aussi, il y a des trucs écrits en kanji japonais, bien sûr, hein, en kanji jap, mais franchement génial. La Mega Drive surtout c'est une tuerie. Pour moi la meilleure achat que je viens de. Bah la meilleure dans les achats que je viens de prendre en vêtements, ça reste la Mega Drive. Après voilà. C'est la meilleure, c'est bon. Donc voilà, donc c'était une vidéo rapide, n'est-ce pas le chat, parce que t'es un peu toujours gênant, toujours en mode grand plan, voilà. Et ouais, peut-être pourquoi pas un C4 faire d'autres achats sur des trucs comme ça. Ça me tente très bien de faire des trucs d'achat en ligne, des trucs comme ça avec des vêtements, des goodies ou autre. Ça me tente très bien d'en faire encore un autre. Mais là j'ai dit tiens, vas-y. Pourquoi pas faire une vidéo sur mon achat que j'ai fait, mon craquage plutôt, sur le Sega Shop. Donc vous savez quoi, je vais vraiment les aimer en fait, là, les trucs de Street of Rage, parce que j'en ai vraiment besoin, parce que vu les papiers que j'ai en mur. Donc voilà, donc sur ce les amis, moi je vous laisse, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Flo de la chaîne Café Gaming, et moi je vous dis à la prochaine, allez, sur ce, ciao ciao. Café Gaming, ici, on ne sert pas que du café, on parle jeux vidéo.